Salut à tous, c'est Zoé et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre de cette vidéo, je change un peu de BTS et de la K-pop aujourd'hui. Parce que voilà, je vous en mets un peu plus dans mon monde, pour que vous sachiez aussi un peu plus, vous compreniez un peu plus de ma vie peut-être. Donc oui, voilà, ma chaîne est basée exclusivement sur la K-pop et 99% sur BTS. Mais voilà, il n'y a pas que la K-pop et BTS dans ma vie. J'adore vraiment les animés. Ou anime, ça dépend comment vous dites, et les mangas, enfin je lis pas beaucoup de mangas, mais bon, vous allez voir. Mais voilà, tout ce qui est, enfin l'Asie m'a toujours plu depuis longtemps en fait, dans tout ce qui est le Japon surtout, et la Corée du Sud. Du coup voilà, donc aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Japon on va dire, qui tranche un peu avec toutes mes vidéos de BTS et de la K-pop. Du coup, si vous n'aimez pas ce genre de contenu, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. J'en en ferai très très peu. Pour l'instant, c'est la première et la seule que je ferai. Je sais pas si j'en ferai d'autres de ce style avec qui change complètement de la K-pop et que du coup qui va plutôt vers le Japon. Mais voilà, c'est. Et si vous êtes curieux à cause de cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je suis désolée du coup, c'est pas une chaîne sur le Japon ou sur les animes ou les mangas, c'est une chaîne sur la K-pop. Donc, restez et voyez un peu ce que je fais si ça vous intéresse. Bien sûr, si vous aimez la K-pop, ce genre de choses. Je vous oblige en rien. Donc, quand vous avez vu cette vidéo, je vais vous montrer ma collection en fait de mangas que j'ai. Donc, j'ai un seul manga, enfin une seule série de mangas, parce que c'était vraiment le premier. Enfin, alors, quand j'ai commencé en fait à apprécier celui-ci, ce que je vais vous montrer, c'était je l'ai d'abord découvert en anime. J'étais un peu petite, hein, c'était avec, à la télévision, il y avait des. Je sais plus quelle chaîne, je pense que c'était sur MTV. Il y avait parfois des animés qui passaient justement à la télé, il y avait Dragon Ball, il y avait One Piece et il y avait celui-ci, donc Black Butler. Et tout de suite, il y avait aussi Fullmetal Alchemist, que j'adore. Donc j'ai tout de suite accroché avec Black Butler et j'ai regardé ben, du coup à la télévision quand ça passait. Dès qu'il y avait un épisode, je le manquais pas, si j'étais dispo en fait. Mais voilà, avec ça, la télévision, j'ai pas pu regarder tous les épisodes dans l'ordre ou ce genre de choses. C'est plus tard en fait que je me suis vraiment intéressée beaucoup plus à l'anime et que j'ai vraiment tout regardé, toutes les saisons, tous les films qu'il y a. Et plus récemment, parce que j'en avais pas accès avant, j'ai acheté toute la collection du coup de manga de Black Butler. Donc là, cela c'est ce que j'ai, tout ce que j'ai acheté, je les ai achetés à la Fnac, donc c'est la version française. Mais j'ai vu que les covers sont différents d'une langue à une autre. Donc on verra si j'ai la possibilité un jour. Peut-être que j'achèterai aussi dans d'autres langues, donc le japonais et l'anglais par exemple. Et si vous êtes fan un peu hein, de Black Butler, vous savez sûrement qu'il y a le tome 30 qui est déjà sorti en japonais mais qui est en cours d'écriture en fait en version française, donc c'est le seul qui me manque pour le moment parce que ça va, c'est le dernier en date. Maintenant on passe aux choses sérieuses, donc je vais vous montrer en fait tous les tomes un par un pour vous voir, vous voyez un petit peu la couverture, à quoi ils ressemblent et voilà tout simplement. Donc au fait, vu que j'ai vu que toute ma maison est remplie de BTS, j'ai pas beaucoup de place et pour les mangas, mais j'ai réussi à trouver une boîte. Donc en fait, dans cette boîte, c'est là donc j'ai mis tous mes mangas. Elle est un peu lourde du coup, mais hop, vous voyez, tout est dedans. Alors, du coup, on va commencer par le tome numéro 1. Donc le tome numéro 1, c'est avec Sébastien qui va chuter du coup. Et franchement, les couvertures, j'adore parce que au début, c'est vraiment donc sur le côté et derrière. Parce que, donc comme vous voyez ici, c'est vraiment l'enseigne de la traduction française. Parce qu'il y a plusieurs éditions en fait. Donc moi c'est l'édition Kana que j'ai pour tous. Et voilà, donc en fait les premiers tomes c'est vraiment que Sébastien qui sont sur les couvertures. Puis ça change un petit peu de personne. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, avec les arcs, il y a les nouveaux personnages qui apparaissent du coup qui sont en première couverture. Donc, mais franchement déjà l'esthétique est magnifique je trouve. Donc c'est le tome 1. Ensuite nous avons le tome 2. Donc toujours Sébastien avec des pâtisseries. Donc tome 2. Bon, le côté derrière ça change pas vraiment.
Enfin, il y a juste le résumé qui change du coup, mais c'est vraiment la première couverture qui est importante. Donc le tome 2, c'est toujours Sébastien. Donc le tome 3, donc là c'est Sébastien en action avec ses fameux couverts en argent. Le tome 4, donc là c'est un peu plus sexy Sébastien, avec son gant. Hop. Et le tome 5, donc Sébastien avec une bouteille de champagne. Et là c'est le dernier tome avec Sébastien de la... Donc vous voyez, de 1 à 5, c'était que Sébastien sur la première couverture. Et là, on va changer de personnage. Du coup, on va passer au personnage principal, qui est aussi le personnage que j'adore le plus. Enfin, l'un des personnages que j'adore le plus. Enfin, voilà, je l'adore. Quand j'ai vu que c'était plus jeune, que j'ai regardé, que j'ai commencé Black Butler, c'était un petit peu mon crush, hein, avant. Donc vous voyez, Ciel, Phantom Hive, pour le tome 6. Et ses tenues ont toujours été magnifiques. J'ai toujours adoré ses tenues. C'était trop beau. Hop, donc le tome 6, c'était Ciel. Hop, le tome 7. Du coup, pour le tome 7, du coup, on passe à l'arc du cirque. Et on voit le Joker. Oui, ça s'appelle Joker. Les noms, parfois, je reconnais pas. Enfin, j'ai pas tous les noms en mémoire. Donc, si jamais je me trompe ou que j'oublie, pardonnez-moi. C'est juste qu'avec toute la K-pop, avec tous les noms qu'il y a, donc c'est difficile. Mais oui, lui c'est le Joker, ou Joker, pour le tome 7. Hop. Ensuite, tome 8, donc c'est un des Shinigami. J'ai plus son nom. Mais c'est celui que Grell, Sutcliffe, un autre de mes personnages préférés, adore beaucoup. Donc le tome 8. J'adore avec ses fameuses lunettes quand il fait comme ça, et trop cool. Hop. Le tome 9, donc c'est Mao. Le fameux chinois, du coup, de l'histoire. Hop. Je n'ai remarqué qu'il a un tatouage sur son bras, j'avais jamais remarqué. Ok. Mais j'adore les vêtements que les. Enfin, le dessin et les vêtements qui sont faits sont trop trop beaux. La mangaka, elle dessine super bien. Hop. Tome 10, c'est Tanaka, donc le fameux majordome du père de Ciel. Donc le premier majordome de Phantom Hive. Pas le premier, mais le vieux, on va dire, majordome de Phantom Hive. Donc Tanaka. Tanaka, j'ai jamais compris son délire avec le fait qu'il soit en personne normale. Ou alors qu'il soit une espèce de petite chubby. Et dès qu'il boit son thé, il se transforme. Enfin, j'ai jamais compris Vu que j'ai pas encore... En fait, là, tout ce que je vous montre, j'ai pas encore lu, en fait, le manga. J'ai seulement vu les animés. Et eh bien, je préférais acheter tout et ensuite lire fur et à mesure dans l'ordre. Donc, peut-être que j'aurai plus d'informations sur les transformations de Tanaka dans le manga. Parce que je sais que manga et animé, c'est pas tout le temps pareil. Dans le manga, il y a beaucoup plus de contenu. Ensuite, hop, le tome 11, c'est. Comment il s'appelle celui-là? Monsieur Gray? Non, Mr. Gray? Enfin, je sais qu'il y avait. Enfin, c'est un des anges, un des assistants de la reine en fait. Mais j'ai oublié leur nom. Ou Mr. White. Enfin, un truc avec blanc ou gris, je sais plus ce que c'est, mais. C'est un des assistants de la reine. Hop, pour le tome 11. Ensuite, on passe au tome 12. Donc, c'est un autre Shinigami. Donc, un novice. Hop, et qui en a marre de Grell tout le temps. Donc, le tome 12. Et lui aussi, enfin, les Shinigami, j'ai oublié un peu leur nom, à part Grell et Undertaker. Alors, le manga, enfin le tome 13, c'est Lizzie ou Elisabeth. Donc là aussi, c'est la cousine de Ciel, mais qui est aussi sa fiancée. Voilà. Mais franchement, elle est magnifique dans cette robe. Et là aussi, vous le voyez, on la voit avec des épées et tout. Et je pense que ça a un rapport avec ben justement le film, si vous avez vu. Alors, le titre exact, je ne sais plus, mais en français, en tout cas, c'est un rapport avec l'Atlantide. L'arc de l'Atlantide ou le book. Ah, oui, Book of Atlantics. Oui, parce que les films sont des books. Il y avait Book of Syracuse. Et je crois que c'était Book of Atlantis, avec l'espèce de zombie et tout. Et on voit Elisabeth qui utilise du coup pour la première fois ses sabres. Hop. Ah.
Alors, le tome 14, c'est Undertaker, le fameux Shinigami, que personne ne sait que c'est un Shinigami jusqu'à justement dans le même tome, dans le même film où on voit Elizabeth avec ses sabres, donc Book of Atlantis. On voit aussi bah, du coup qu'il a une faux, alors que normalement, quand tu démissionnes, en guillemets, ou quand tu prends ta retraite de Shinigami, tu dois rendre ta faux, mais lui, il a pas rendu sa faux. Et c'est trop badass. Et pour la première fois, on voit ses yeux et tout, et c'est trop trop beau. J'adore Undertaker. Ouh! Donc, tome 15, on retourne sur Sebastian Michaelis. Et là, il est en mode teacher. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, cet arc-là. Mais voilà, donc là, il est en mode professeur. Donc là, tome 16, c'est l'arc de l'Inde avec, j'ai oublié son nom. Oh, il y a lui, son majordome et la fille là, j'ai oublié leur nom. Mais voilà, donc lui c'est le prince d'Inde, enfin, ou un des princes, je sais plus, d'Inde, que si elle va rencontrer. Hop. Alors. Et comme vous avez pu le voir jusqu'à présent, on est déjà au tome 17 et il y a eu une seule fois Ciel Phantom Hive alors que c'est lui le personnage principal. Et il y a eu beaucoup de fois Sébastien. Donc le tome 17, je ne sais pas c'est qui. Alors là, je pense que je rentre dans une partie que j'ai pas vue. Parce que si vous savez, dans le côté anime, vu que comme je rappelle, j'ai pas encore lu les mangas, dans le côté anime, il y a juste bon, la saison 1, c'est les 5 premiers tomes de mémoire. Puis il y a la saison 2 qui n'apparaît pas dans les tomes. Et il y a aussi la saison 2, en fait, c'est vraiment du fan service un peu. Et c'est une histoire complètement à part qui n'existe pas dans l'histoire du manga. Et je trouve ça dommage parce que franchement, Alois Trancy, je l'adore. Et du coup, la saison 3, Book of Cyacus, là ça reprend le manga. Puis il y a le Book of Atlantis. Et il y avait un autre film. Je suis plus très sûre, ma mémoire est pourrie. Je crois qu'il y avait aussi un autre film. Mais en tout cas, tout ce qui est après l'Inde et après Book of Cyacus, du coup, il n'y a pas d'anime, donc je ne sais pas l'histoire. Donc j'ai hâte de découvrir et de. Ça me fait du bien de lire un petit peu tout ça et de découvrir la suite de plein de choses que je connais pas en fait. Donc le 17, lui, je le connais pas. Du coup, je ne sais pas c'est qui. Ah, attends! C'est pas le frère de Lizzie? Parce que dans Book of Atlantis, on voit son frère. Et vu qu'il a une épée et qu'il est blond et tout, j'ai l'impression que c'est le frère de Lydie, mais je suis pas sûre. Si vous savez, dites-le moi. De toute façon, je vais tout lire après. Tome 18, on retourne avec Ciel, Phantom Hive, avec sa jolie rose. Et il a un fusil dans les mains. Hop. Ok. Déjà que là, on voit comme si l'évolution entre la première fois qu'on voit ciel et la seconde fois qu'on voit ciel. Donc la première fois, il est vraiment dans un siège, comme un trône, avec des habits très. Comment dire? Très noble et tout. Et avec son chapeau, ses gants, il a vraiment toute la panoplie d'un noble et tout. Et là, on voit qu'il est un peu plus. Ben, moins noble, entre guillemets, et plus en action. Il a un fusil. Physiquement aussi, il paraît moins habillé, moins apprêté, un peu plus triste, enfin, un peu plus. Voilà, on voit un petit peu l'évolution entre la première fois où on voit ciel et la seconde fois où on voit ciel en couverture, en fait. Hop. Ensuite, on passe au tome 19. Donc, le tome 19. Cette fille me dit quelque chose, mais je suis pas sûre de l'avoir déjà vue quelque part. Alors, je vais le lire rapidement, le résumé, et non, je ne connais pas cette histoire. Apparemment, c'est un rapport avec du loup-garou, et c'est en Allemagne. Donc, ça me donne trop envie, là, juste le résumé me donne trop envie de lire cette histoire. Parce que voilà, cette fille et cette histoire n'apparaissent pas dans les animes. Donc, j'ai trop hâte de savoir qui elle est et de lire son histoire. Donc, le tome 19, c'est, je suppose, la princesse loup-garou, un truc comme ça. Ensuite, le tome 20, on a. J'ai oublié son nom, mais c'est le. Un des majordomes. Enfin, un des majordomes. Un des servants. Des.
un des employés plutôt de Ciel, et c'est un compagnard qui a une force surhumaine et qui adore les animaux. Ah, mais c'est peut-être ce que j'ai vu dans le dans l'anime 1, parce que dans la saison 1 de l'anime, à un moment donné, il y a un truc avec un loup, justement. Mais elle, je ne me rappelle pas l'avoir vu, la fille. Mais le loup, je me rappelle. Donc, à voir. Mais voilà, le tome 20. Je suis désolée, hein, j'oublie vraiment tous les noms. Donc, le tome 21, un autre des... Bon, employé, on va dire le mot employé. Un autre employé de Ciel. Donc, lui, c'est un ancien de l'armée. Donc, c'est le cuisinier. Mais voilà, qui adore le feu et les explosions. Mais j'ai oublié son nom. Donc là, c'est le tome 21. Donc je pense que le tome pas 19, 20, 21 et un peu plus, ça reprend un peu une partie que j'ai... Tu penses, hein, une partie que j'ai déjà vue. Alors ensuite, on a le tome 22. Donc le tome 22, c'est Mei, si je me trompe bien. Enfin, si je me souviens bien, Mei, c'est son nom. Donc là aussi, c'est une des employées de Ciel, Phantom Hive. Et c'est bah, la bonne, du coup, la femme de ménage. Et qui a une vue. En fait, c'était une snipeuse, donc une tueuse d'élite. Enfin, voilà. Et elle a une super vue. Mais elle est super maladroite et elle est folle amoureuse de Sébastien. Donc, de mémoire, son nom, c'est Mei. Donc, voilà. Je pense que le tome 20, 21, 22. 20, 21 et 22. C'est vraiment les backstories des employés. Alors, une nouvelle personne que je connais pas. Le tome 23, je ne connais pas du tout cette personne. Je lis un petit coup le résumé. Ça a rapport avec une secte de la musique et apparemment quelqu'un découvre la vraie nature de Sébastien. Je pense que c'est lui qui va découvrir sa vraie nature. Mais lui, je ne le connais pas du tout. Donc, plus je découvre les personnages, plus ça me donne envie de lire en fait. Donc, mais je pense que dès que j'ai fini de filmer cette vidéo, je commence directement à lire. Donc, le tome 23, c'est un monsieur aux cheveux mauves avec des signes astrologiques un peu partout, sur ses bras et sur sa tasse. Et ça fait partie d'une secte. Donc, ensuite, le tome 24. Donc, le tome 24, je l'ai acheté aujourd'hui. Et quand j'ai vu la couverture, j'ai fait waouh, magnifique. Et encore une fois, c'est une personne que je connais pas. Donc, vraiment, je pense qu'à partir de lui, donc du tome 23, je ne connais plus personne. Après, je ne connais pas les personnages qui vont suivre. Mais il est magnifique. Le tome 25, il est magnifique. Il a les cheveux moitié blanc, moitié noir. Il me rappelle beaucoup Todoroki. Même si, voilà, Todoroki, c'est rouge et non blanc. Mais c'est le même principe. Et il est magnifique. Donc, waouh. J'ai hâte de voir. Oh! Ensuite, le tome 25. Donc, encore une fois, une personne que je connais pas. Donc, on dirait un docteur avec des yeux, avec des cheveux verts. Franchement, je veux trop une saison, une nouvelle saison ou un nouveau film de Black Butler avec la suite des personnages. Parce que voilà, je suis très visuelle et son. Et j'adore leur voix et tout. Et enfin, j'ai besoin de voir les choses animées. Même si voilà, je lis beaucoup de webtoons ou justement des mangas en scan. Mais je veux trop un film ou encore une nouvelle saison parce que voilà. Donc le 25, le tome 25, c'est un docteur, je ne connais pas. Ah, il arrive loin. Donc le tome 26, c'est justement le majordome du prince d'Inde. Alors pourquoi il est aussi loin de son prince, je sais pas. Bah, ils vont sûrement revenir du coup. Dans l'histoire, mais voilà. Donc lui, c'est Akni. Ah, son nom, c'est Akni, je me rappelle. Akni avec la fameuse main de Dieu, enfin, j'ai plus le nom de quel dieu, mais la fameuse main d'un des dieux qui, voilà, donc il est très fort aussi. Il est presque aussi fort que Sébastien, alors que, voilà, Sébastien, c'est un démon, et enfin, plutôt un diable de majordome. Et lui, c'est une personne normale, il a juste des pouvoirs sur sa main droite. Donc Acne pour le tome 26. Ouh! Enfin! Tome 27, on retrouve encore une fois Ciel Phantom Hive. Donc le tome 27. Et là encore, il est sur son siège.
ses tenues, son chapeau, ses gants. Donc là, il revient encore en mode majordome, vraiment de la haute société. Donc voilà, la première fois qu'on l'a vu, il était pareil, sur un siège et tout, bien habillé. Seconde fois, il est un peu plus dans l'action, et là, il retourne sur son siège. Mais c'est vrai que voilà, on est au tome 27, et en 27 tomes, il n'y a eu que 3 fois Ciel Phantom Hive. Alors que c'est lui le personnage principal. Entre. Enfin, on va dire qu'il y a deux personnages principaux. C'est Ciel et Sébastien, parce que pour moi, ils sont à peu près égaux dans l'histoire. Mais l'avoir que 3 fois, c'est. C'est un peu triste. Il aurait pu faire un peu moins de Sébastien et un peu plus de Ciel ou un peu plus d'autres personnages, mais un peu moins de Sébastien. Et donc, le tome 28, encore une fois, Sébastien qui revient. Là, il fait beaucoup plus démoniaque que les autres tomes précédents. Parce que là, on voit bien ses yeux rouges, on voit bien ses ongles noirs, donc il n'a pas ses gants. Et le fait de voir les. Vous voyez ici, là, sur le côté, hop, les fameuses. Bah, effet démoniaque, on va dire. Donc là, je m'attends à ce qu'il y ait un petit peu plus d'action au niveau de Sébastien et de son côté démon. Et c'est encore une fois Sébastien. Donc il y en a beaucoup de Sébastien dans les premières de couverture. Ensuite, tome 29. Hop, donc c'est la fameuse assistante, on va dire, de Mao, donc le chinois. Donc elle, c'est de la chinoise, du coup. Voilà, toujours très tenue très provocatrice, qui plusieurs fois a essayé de séduire Sébastien pour faire tomber dans des pièges ou quoi, mais ça n'a jamais marché parce que Sébastien n'est pas attiré spécialement par le genre humain. Et elle aussi, elle est très forte, elle est pas surhumaine, mais voilà, elle a quand même des capacités très importantes comme les autres employés de la maison, enfin du manoir. Donc elle aussi, elle est très forte et tout. Mais elle n'est pas surnaturelle. Donc, le tome 29, j'ai oublié son nom. Et donc, voilà, donc le tome 29, c'était le dernier tome qui est public, version française. Parce que, voilà, le tome 30 est en cours d'écriture. Je ne sais plus c'est qui en première de couverture, faut que je me renseigne. Mais voilà, donc là, le tome 30 est sorti en VO, donc en japonais. Mais il est encore en cours de traduction pour la version française. Donc, dès qu'il sort, je l'achète. Et donc, en fait, j'hésite à commencer à lire maintenant ou d'abord d'attendre que le tome 30 sorte. Mais je pense que ça va prendre un peu. Enfin, même si c'est des mangas, c'est quand même rapide à lire. Mais j'ai pas envie de tout finir rapidement et que d'attendre longtemps avant d'avoir la suite. Donc, je verrai si je commence aujourd'hui ou ce week-end. Mais voilà. Je vais commencer, c'est sûr, à lire ce week-end au plus tard. Voir un petit peu toutes les choses qui sont pas dans l'animé et toutes les choses en plus du coup avec les nouveaux personnages que je connais pas. Donc alors ce genre d'aparté là c'est normal hein, parce que je les ai mis juste ici, mais au fur et à mesure que je les sortais. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo qui peut paraître peut-être un peu boring pour ceux qui sont pas fans d'anime ou de manga ou tout simplement ceux qui connaissent pas Black Butler. Bon, j'ai essayé de dire un petit peu les backstories de certains personnages et de leurs noms, de ce que je me souvenais. Mais franchement, je vous conseille de regarder l'anime ou de lire les mangas si vous l'avez encore jamais vu, parce que franchement, il est super. C'est un shonen, mais avec aussi un peu de fanservice. Et c'est. Ben, en fait, il a été écrit par une femme déjà, et ça se voit en fait que c'est pour un public féminin principalement. Plutôt que d'autres shonen qui sont plus pour un public masculin, comme tout ce qui est bah, One Piece, Dragon Ball, My Hero Academia, que j'adore aussi. Enfin, y a certains types, au fait, de tout ce qui est Tokyo Ghoul, Black Butler, non. Tokyo Ghoul, Death Note. Et aussi, c'est un peu un mix, j'ai l'impression que c'est pas forcément. Ce sont des shonen, mais pas forcément que pour une destination masculine, on va dire. En fait, vu que les dessins sont très très beaux et que les personnages sont très beaux, en fait, la façon que c'est dessiné et tout, et l'histoire en elle-même, ça se voit que c'est écrit par une femme. C'est un peu sexiste ce que je dis, mais alors que moi je suis vraiment pro non-gender. Mais voilà, ça se sent en fait que c'est vraiment pour un public féminin, principalement. Voilà. Mais bien sûr, tous les genres peuvent lire et regarder, hein. Il n'y a pas de. Franchement, le genre, c'est rien du tout.
Là, je pars un petit peu dans un autre sujet, mais voilà, moi je suis vraiment pro no gender. Alors oui, moi je me sens cis, genre, mais voilà, je trouve pas que tout ce qui est make-up, les vêtements, les films, les couleurs, enfin peu importe. Je trouve que rien n'a un genre en fait. N'importe qui, de n'importe quel genre, ou de ceux qui n'ont pas de genre, peuvent choisir, regarder, faire ce qu'ils veulent en fait. Je trouve que c'est dommage de genrer les choses en fait. Voilà. Hop. Du coup, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ma vidéo. Et voilà. Dites-moi un peu en commentaire, vous, si déjà si vous connaissez Black Butler, si vous l'avez déjà vu ou lu, qui sont un peu vos personnages préférés. Et ne me spoilez pas, s'il vous plaît, si vous avez déjà vu la suite et les choses que je ne connais pas. Alors, tout ce qui est. Bon, là, c'est un léger spoil pour ceux qui ne savent pas du tout, hein, mais donc attention. Mais tout ce qui est les théories et tout, donc je regarde souvent les vidéos et je sais que justement que dans les mangas, il y a beaucoup plus de choses qui favorisent la théorie que Ciel Phantom Hive a un frère jumeau. Mais je verrai ça plus en détail dans les mangas. Donc, on se rejoint la semaine prochaine pour de prochains unboxings de BTS. Normalement, j'ai encore plein de choses qui vont arriver. Faut juste que j'attende que ça arrive, en fait, parce que vu qu'on est encore en lockdown, même si moi je travaille et tout, et qu'on peut sortir, tout ce qui est les remises, en fait, de mes commandes, donc vu que j'ai choisi des remises en main propre avec Emerald Shop, donc toutes mes commandes pour l'instant, je peux pas les récupérer. Parce que, voilà, je peux pas encore les récupérer. Du coup, faut que je meuble un petit peu mes vidéos avec ce que j'ai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur Black Butler. Et la semaine prochaine, si j'ai rien à unboxer, je ferai peut-être une vidéo réaction à voir. Le temps que mes commandes arrivent. Voilà. Donc, cette vidéo, je sais pas trop si elle va être longue ou pas. Et je suis désolée d'avance si elle est trop longue et si elle est un peu boring pour vous. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît, qui me tient à cœur. Ça fait partie de ma vie, Black Butler. Donc voilà. Donc à la semaine prochaine et à bientôt.